à tous et toutes, c'est Nessendil sur les Sims 4 et notre petit challenge. Alors j'avançais tranquillement pour avancer les choses parce qu'il va falloir que ça devienne adulte, hein, tout ça. Et du coup, on a loupé le nouvel an. On vient d'avoir des paillettes, ils viennent de s'embrasser. Bon, écoutez, c'est pas si mal. Oula, j'ai cassé quoi? J'ai cassé un truc du mur. Merde, j'ai perdu un... Attendez. Écoutez, il est quelque part, hein, on le retrouve. Je viens de faire voler un cadre. Crotte. Crotte. Bon, c'est pas grave, on changera de maison de toute façon. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. C'est juste que je voulais venir voir. Coucou, Choupette. Bon, tout le monde est mort crevé. Ils sont dans un état catastrophique. Donc, on va les laisser avancer un petit peu tranquillement. J'avais demandé à faire un repas de fête. Je vois qu'il n'est pas fait. Voilà. Le nouvel an est complètement foiré. Tout le monde dort. Tout le monde est mort crevé. Et le repas n'a pas été fait. Bah, écoutez, tant pis, hein. Tant pis, oui, laissez tomber, c'est une catastrophe. C'est pas grave. Allez, on va les laisser avancer, on va les laisser progresser. Maintenant, il faut que notre petit Ambre devienne adulte, enfin jeune adulte, avant que sa mère et son beau-père meurent. Ce serait bien, c'est vraiment là ce qu'il nous faut. Alors, vous m'avez dit qu'on pourra, donc tiens, on la changera un petit peu. Et elle est froide. Vous rappelez, elle a le trait de caractère froide. Ça, vous m'avez dit qu'on pourra le changer parce que sinon, pour faire un challenge, un baby challenge, ça va être ingérable, complètement ingérable. Donc, vous m'avez autorisé à changer ça puisqu'on met les traits de caractère aléatoires. Mais comme là, c'est notre prochaine matriarche qu'elle est censée faire elle aussi sa dizaine de bébés, ça va pas être gérable. Donc, c'est vous qui m'avez vraiment dit de le changer. Donc, merci à vous. On fera ça une fois qu'elle sera jeune adulte et qu'elle déménagera. Donc là, notre but, c'est que Ambre devienne jeune adulte, déménage et devienne une maman sorcière. Oh non, 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 non. Oui, ça... Oh, elle gère. Oh, j'ai eu peur. En plus, c'était elle qui était dessus. Ça va, elle gère. Pouh, elle a pas brûlé du tout. J'étais en train de me dire, mon Dieu, il faut l'envoyer dans la salle de bain. Elle n'a pas brûlé. Par contre, non, bah, c'est fait. Il y a encore un bruit de feu. Il y a encore un bruit de feu. Mais qu'est-ce qu'elle glande, elle? Viens ici. Bah oui, reste-toi les pieds dans le feu. Tu as raison, c'est très bien. Au feu. Au feu. Il y a quelqu'un. Merci. Est-ce qu'on va y arriver cette fois? Au feu, les pompiers, il y a la maison qui brûle. C'est bon? Ok! Nickel! Ça fait longtemps que j'avais pas eu un incendie pareil. Alors, oh la vache. Va falloir peindre. Sarah va... Va falloir peindre. Tiens, tu t'ennuies, nettoie. Ok, impeccable! Super! C'est nickel! Ça commence très très bien. Bon, personne n'est mort. Je pense que c'est le principal, c'est le plus important. Personne n'est... Sois la mieux confiante, t'es confiante, va te faire une petite toile confiante. Voilà, qu'on rembourse tout ça. Voilà, fais-toi une petite toile confiante, c'est très très bien. Il y a de l'orage, j'aimerais bien que tu rentres dans la maison. Merci. Non, parce que ça y est, c'est le printemps et on a... voilà, il y a un éclair qui est tombé là. On a de l'orage, mais bien bien. Oh, des sous! Vas-y, récupère ça! Tu peux pas le prendre? Réclamer. Réclame-moi ça, récupère-moi des sous, il n'y a plus d'orage, vite, vite, avant qu'il y ait un nouvel orage. On va regagner un petit peu de sous. T'as fini ton tableau, en fait? Je crois qu'elle a pas fini son tableau. Ouais, un peu de sous, parce que vous coûtez cher. Hein. Mais qui je suis? Quelque chose qui te plaît? Oui, voilà, très bien. C'est tout le temps. Bon, on s'en fout un petit peu, quittez. On va pas spécialement te suivre indéfiniment. Hein. Oh oh. C'est moi où il a fait son maximum de vie. Donc là, en fait, chaque minute. Voilà. Chaque minute est durable. C'est ça qu'il faut comprendre. Oh merde. Et Sarah, ça va, il lui reste encore tout ça. Même si, bon, elle peut mourir à tout moment, mais... Voilà. Allez, les mouflets, faut que ça avance. Et vite. Oh, mais elle s'est pris la foudre.
Oh, la dame de ménage, elle s'est pris la foudre, la pauvre. Et le printemps, c'est dangereux dans les Sims, hein. C'est vraiment dangereux. Répare-moi les chiottes, tes mouflets, elles les ont encore cassées. Ouais, non, il y a de l'orage. Les poules, elles vont attendre pour en manger. Ah, elles ont encore à manger. C'est bon. Il y a 2 œufs prêts à éclore. Et on a encore perdu une poule de vieillesse. On n'a plus qu'une poule, un poussin et un coq. Mais on a 2 œufs en éclosion. Tu sors pas, hein. Voilà, tu répares, mais surtout, tu ne sors pas. Et tu sais quoi? Je serai toi, je profiterai de mon homme tant qu'il est encore là. C'est peut-être la dernière fois, les gars. Hein. C'est vous qui voyez, mais là, il faut pas perdre un instant. Hein. Chaque minute est à vous. Hein. Petite visite de lune. Et qu'est-ce qu'il nous veut? Sarah, j'envisage profondément une amitié. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, mec, nous, on est passé à autre chose de toute façon. Donc, fais-nous. Qu'est-ce qu'elle a, lune? Bah alors? Pourquoi tu es toute triste comme ça? Oh, bah ça a l'air d'être la grosse tristesse. C'est ça qu'elle est venue voir son maman. On n'a pas payé les factures. Attends, 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 parce qu'on va avoir des problèmes. C'est pas, là, c'est pas le message qu'on a, mais ça m'y fait penser. Va falloir refaire un petit peu de peinture. Là, je crois que, hein, avant de ça, c'est pas ce qui va nous faire grand-chose. Je crois qu'il va falloir refaire un petit peu de peinture. T'as rien d'autre à prendre là-dedans? Non, tu n'as rien d'autre à prendre là-dedans. Il n'y a rien qui peut te faire du bien. Ouais, pff, concentration, tout ça. De toute façon, toi, t'es plutôt en forme. Ouais, t'as été pire, quoi. T'as été bien, bien pire. C'est l'anniversaire des haies bleues. Bah, on va le faire. Bah, pour le coup, on a attendu qu'il soit l'heure de faire leur anniversaire parce qu'elles sont nulles. Nulles! Des F, j'ai abandonné de les faire étudier correctement. J'ai abandonné, c'était plus possible. Bon, allez, on va leur faire un anniversaire proprement. Du coup, elles vont être jeunes adultes. Et on va les garder à la maison. Ce qui fait que si les parents meurent, on a toujours des jeunes adultes. Même si vous m'avez dit qu'apparemment, la partie ne serait pas supprimée avec des adolescents. Mais j'en suis pas certaine, certaine. Dans le doute, je préfère avoir des jeunes adultes à la maison. Ils vivront là, elles vivront là, pardon. Elles s'occuperont de leur mère. Ça sera très, très bien. Et décembre et jeune adulte, elle se carapate de cette maison de fou et elle passe à autre chose. Le gâteau d'anniversaire, le premier qui touche, le bousille. Vite, mets des bougies avant qu'ils y touchent! Vite! Sarah, mets des bougies, mets les bougies, les bougies. Merci, les bougies. Ah, toi, tu dors, on va commencer par elle. Et souffler les bougies. Voilà, on devient grand d'une bonne fois, on invite un petit peu de monde. À la maison. Oh bah, il y a plein de... Qu'est-ce qu'ils ont? Ils s'entendent pas entre eux? Qu'est-ce qui se passe encore? On sait pas, c'est ça râle. Non mais, mise un petit peu du tien, là, t'as pas 2 ans. Voilà, youpi, un joyeux anniversaire. Papa, papa, papa. Oh, toi, t'es parti pour être quelqu'un d'extraordinaire. Bon, tu as aimé les bougies, mais fabricante de bougies. Voilà, une meurtrière, t'as fabricante de bougies. Elle va être nickel. Allez, bon, de toute façon, tu vas avoir exactement le même look parce que de ado à jeune adulte, il n'y a pas de différence. Et de jeune adulte à adulte, il n'y a pas grand-chose non plus d'ailleurs. Mets des bougies. Ah merde, j'ai pas mis la bonne. Mets des bougies. Mets des bougies. Ah, elle va peut-être le faire. Tu le fais pour ta sœur? Mets des bougies pour ta sœur. Mets des bougies! Mais c'est pas vrai. Des bougies avant que... C'est un miracle hein, que personne n'ait encore piqué du gâteau. Mais des bougies. Des bougies. Non, mais sinon tu vas devoir refaire un gâteau. Je comprends pas qu'ils aient pas encore piqué. Merci! Enragé. Oh, bah ça va être un bon anniversaire. C'est un bon anniversaire. Oh oui, oh oui. Mais pourquoi elle est dehors, dans l'orage? Mais pourquoi t'étais dehors dans l'orage? Oh, bah ça t'a mis une bonne humeur ton anniversaire, c'est génial! Voilà! Non, mais t'es aussi doué que ta sœur, toi! Oh là, mon Dieu, mais c'est pas possible! Oh. Ah là! Youpi! Elles sont jeunes adultes! Alors, toi, papa! Oh! Un génie! Un génie qui aime manger et sociable. Bah écoute, ma foi, ce sera peut-être moins pire que ta sœur! Voilà, moi j'ai mangé le gâteau maintenant! Ah, ça c'est ta souhait anniversaire, hein? Ah ouais, ça c'est... Non! Ah non, ça par contre, non! Attendez, elle est adulte! Mais, oh purée, mais c'est pas elle qui devait mourir! Bon, attendez, ce qu'il faut se dire, réveille-toi, réveille-toi, faut que t'ailles supplier la mort.
Ce qu'il faut se dire, c'est que elle est jeune. Oh mon Dieu, mais putain, j'attendais pas ça. Mais non, c'est les vieux qui doivent mourir. Elle est jeune adulte. Elle n'est plus enfant, donc on ne l'enlève pas du challenge. Vous voyez ce que je veux dire? Dans notre malheur, on ne l'enlève pas. On va quand même essayer de la sauver. Hein. De notre challenge, parce que maintenant, ça y est, elle est adulte, donc elle peut mourir. Comment ça, on peut pas la supplier? Comment ça? Mais réveille-toi, mon putain. Supplie pour ta sœur, supplie pour ta sœur, supplie pour ta sœur, vite! Attends, attends, attends! Attends! Supplie pour ta sœur, vite, 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 vite! Vite! Vite, vite, vite! Oh là là, c'est la cata. Supplie pour ta sœur. C'est ma jumelle! S'il te plaît, prends pas ma jumelle! Elle veut bien? Elle veut bien? Elle a dit oui? Elle n'a pas dit oui. Elle a dit oui, elle a dit oui, elle a dit oui, elle a dit oui! Wow, comment c'est classe! Comment c'est classe! Ça fait très super-héros! J'étais morte et je suis plus morte! Et oui, c'est trop classe! Elle a dit oui! Ah! Bah écoute, la mort. Puisque t'es dans le coin. Bon, lui, il a vraiment une longue vie. Hein. Il a vraiment eu une longue vie, donc on va pas supplier pour lui parce que lui, il était vraiment. Comment dire? Vous voyez? Puisque t'es dans le coin. Voilà. Merci beaucoup pour notre fille. Un grand merci à toi de l'avoir sauvée. Tout le monde rentre, s'il vous plaît. J'aimerais que tout le monde rentre parce qu'il y a toujours de l'orage. Et donc, elle est morte de. Angers. D'accord, bah, calme-toi. Comment on les calme? Avec quoi on les calme? Une douche froide peut-être. Attendez, je serais pas contre lui faire une douche froide. Voilà, une petite douche froide. Je pense que ça va te détendre. Et je crois que la mort. Sarah va pas être en forme moralement là. Ça... Mais il était vieux. Non, mais toi tu le connaissais pas, pourquoi tu pleures? Tu dois y aller, c'était très sympa! Ah bah alors lui dans le genre à côté de la plaque. Bon bah on va pas supplier cette fois hein, parce que lui voilà. Voilà, c'est l'ordre des choses. C'est la nature. C'est comme ça. Voilà. Voilà. Bon. C'est moi ce point de douche froide. Ça devrait lui faire du bien parce que là. Et tout le monde est rentré, il n'y a plus personne qui traîne dehors. Hein. Ok. C'est un chouette anniversaire, hein? Ah, ça c'est un chouette anniversaire. Moi je trouve des anniversaires comme ça, c'est merveilleux. Merveilleux. Non mais bon voilà. Voilà. Ça se passe bien. Par contre, je prends un petit peu trop ton temps là. Je veux dire, non, elle est toujours enragée. Hein. Dans l'état qui sont... Non, arrête de t'énerver. Arrête de t'énerver. La mort t'a ramené à la vie. Si tu remeurs, c'est fini. Hein. Pourquoi elle fait de la fumée? Non mais pourquoi elle fait de la fumée quand elle parle? T'es devenu bizarre? Frôlé, donc mort frôlé. Il donnera une vision optimiste de la vie. Ah oui. En présence de la mort, oui, bah oui, toi tu y as bien le droit, quoi. Bon. On termine? Parce que là, ça me paraît un petit peu longué. Voilà. Merci. Ça c'est fait. On avait déjà une tombe, hein. Ouais, bah on va le mettre à côté, hein. Bon, il fait partie quand même à peu près de la famille. À peu près, bon. Ah, attendez. Ah bon, le beau-père, il n'a pas fait long feu, mais on peut avoir autre chose qu'une. Voilà, qu'une urne. Attendez, on va essayer de faire ça propre. Voilà, ils sont tous trouvés ça très sympa, c'est chouette. Voilà, non, c'est bien ce petit cimetière là sur le côté de la maison. Moi, je trouve que non, ça donne un style. On va pas se mentir, ça donne un style. Tu devrais discuter avec la mort parce que je crois que non, pas supplier, juste, non, juste discuter. Non, d'accord. Parce que vous allez vous revoir quand même à un moment donné. Oh, qui a fait ça? C'est magnifique. Oh, c'est ah ouais, d'accord. Je me disais, elles vont pas à l'école. Mais oui. Bon. Donc toi, tu es la sociable intelligente. Médecin, ça pourrait être sympa pour toi.
Hein, on va leur mettre des carrières, qu'elles aient du travail dans leur future maison et dans leur future vie. Enfin non, elles vont garder cette maison-là du coup. Donc elles aient de quoi l'entretenir quand même. Je pense qu'en travaillant, ça serait un petit peu mieux. Elles vont pouvoir entretenir la maison, s'occuper de la maison le temps que leur mère ne soit plus. Donc toi, tu es la pas très très gentille, mais qui aime fabriquer des choses. Ouais, c'est plutôt... Normalement, elle était plutôt partie pour être criminelle. Ou alors on la met indépendante et elle se débrouille. Je crois qu'on va la mettre indépendante et puis elle va se débrouiller, non? Tu aimes fabriquer des trucs. Bah écoute, sois indépendante et puis tu bosseras dans ce que tu veux. Es-tu disponible, artiste numérique, auteur, créateur, enquêteur paranormal, programmeuse? Ouais, non, ça te va pas tant que ça. À la base, c'était parti pour être criminel. Oh, écoute, toi, criminel, ta soeur, elle est médecin, vous faites un duo parfait, c'est magnifique, ça va très bien ensemble. Elle a eu un on a le droit de la passer, jeune adulte. Oh, ça y est, on peut la passer, jeune adulte. On s'en fout de son frère. Son frère, il va vivre de toute façon avec eux. Donc lui, il est resté à B. Le frère va rester à vivre ici avec Sarah et avec les jumelles bleues. Et on va enfin pouvoir passer notre petit temps. Non, mais la mort est toujours là. Passer notre petite ambre adulte. Mais. Peux-tu t'en aller si tu me stresses là? Ça me stresse que la mort soit toujours là. Ça me stresse vraiment. On va pouvoir passer notre petite ambre jeune adulte, la modifier, la faire qui nous plaît bien, qui est parfaite pour la suite. Et lancer la suite! Parce que le 100 Baby Challenge est quand même un challenge assez monotone qui peut venir assez redondant. Heureusement, les Sims font plein de conneries et meurent souvent. Mais là, on va pouvoir partir sur une nouvelle histoire. Et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire vite fait son anniversaire. Donc, juste un gâteau, vite fait, on se dépêche. En espérant ne pas faire de catastrophe. Maman est en dépression totale, c'est une calamité. En espérant ne pas avoir de nouveaux morts. Voilà, juste un gâteau, s'il vous plaît. On veut juste faire un gâteau d'anniversaire, la passer et on n'en parle plus. Et dans l'épisode suivant, on pourra démarrer une nouvelle vie. Pauvre Sarah, elle me fait mal quelque part parce qu'elle a perdu l'amour de sa vie. Quoi? J'aime pas ces bruits, hein. Et enfin, c'est dur, quoi. On passe par une phase, elle nous paye une occasion de prendre un instrument, de hurler, de mettre le son à fond. Oh, c'est pas grave, ça va lui passer, elle va devenir adulte, avoir des responsabilités. Ça va lui passer très 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 bien, vous allez voir, ça va très très bien aller. Ça va le faire. Viens souffler ton gâteau, viens devenir jeune adulte. Désolée, c'est pas un anniversaire en fanfare, mais c'est pas grave, tu vas voir, tu vas avoir une meilleure vie, hein, parce que là... Hein? Il est temps, je crois qu'il est temps de passer à autre chose. Ouais, là il est grand temps. Non mais c'est quoi cette famille qui arrive pas à souffler ses bougies? Oh bah le frère qui nous fait le même, ouais, c'est pas grave. Oula! Tu peux revenir avec nous? Bon, on s'en fout parce qu'on va tout changer, sauf si ça va. Snob, non, c'est une catastrophe. Allez, Snob, cœur froide, machin des îles, alors que ça va être une sorcière. Bon, on rechangera tout, c'est vous-même qui vous me l'avez demandé. Donc, on changera, on avait fait aléatoire parce que c'est rigolo, mais... Pour notre matriarche, on va éviter. Ça y est, Ambre est une jeune adulte. Ça y est, Ambre va pouvoir déménager, avoir sa propre maison et faire ses propres mouflets, hein. Et oui. On va donc s'arrêter là pour cet épisode riche en émotions. On va bientôt quitter notre petite Sarah. Quelque part, ça me fait plaisir de ne pas la voir mourir. De me dire que, bon, elle vient de perdre l'amour de sa vie, c'est un peu triste, mais que... Elle va continuer à grandir avec ses derniers enfants, vivre avec ses derniers enfants. Et c'est pas si mal, c'est pas si mal comme fin pour une pauvre matriarche de challenge. En tout cas, le prochain épisode, c'est parti, mon kiki, avec notre petite Ambre. Je crois qu'on va lui faire boire des potions qu'a sa mère dans son inventaire. Et on va pouvoir partir sur une suite, sur une nouvelle histoire. Je vous dis à bientôt. Bye bye! Time flies, close your eyes. Imagine you could see everybody else's dream, but a
comforted.